présente Anma. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Baptiste Le Caplain, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est étonnement. Hein, dans le jargon des assureurs, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de malus, hein, de la morale. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un préservatif, hein, qu'on aurait offert à une bonne sœur. Hein, donc, malheureusement, même en plein de Saint-Valentin, eh bien, personne ne déchire jamais l'opercule. Et c'est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer. D'accord. Et d'autant plus ravie, hein, que même si aux États-Unis, hein, avec un physique de choriste comme le vôtre, hein, on doit probablement vous demander vos papiers, hein, chaque fois que vous commandez un panache. Eh bien, malgré ça, c'est pas tous les jours, hein, qu'on rencontre un jeune humoriste de talent, hein, qu'un pro du stand-up, hein, aussi imbuvable que doué, hein, comme Gad Elmaleh, considère déjà comme le meilleur de sa génération. Un statut de chouchou, hein, qui a dû faire mal à Kev Adams, hein, qui a pourtant consacré lui aussi beaucoup d'énergie, hein, pour lui ressembler. Et à propos de ressemblance, justement, j'ai découvert que comme votre ami Verino, hein, qu'on adore ici. Ayant hérité, vous aussi, hein, de la musculature d'un enfant de 8 ans, eh bien, vous avez dû renoncer à faire carrière dans le sport, hein, pour vous lancer dans l'humour. Hein, une reconversion qui, cela dit, moins improbable, hein, que la sienne, hein, dans le sens où, avant de vous lancer dans le stand-up, eh bien, vous avez pris le temps de faire vos armes, hein, en tant qu'animateur de colo. Et vous savez quoi, eh bien, ça nous fait quasiment un point commun, hein, dans le sens où je suis quand même petit niveau, hein, ayant toujours eu une passion, hein, aussi bien pour le papier crépon que pour les ados, hein, en quête de premières expériences. Eh bien, figurez-vous, hein, que par le passé, dans le cadre de l'association, hein, Nature et Découverte, j'ai moi aussi été en charge, hein, d'un groupe d'ados, hein, à mobilité réduite que j'ai amené camper, hein, pendant 3 jours dans les gorges du Verdon. Hein, une expérience qui, malgré la beauté indéniable, hein, du paysage, a malheureusement viré au cauchemar, hein, lorsqu'en pleine nuit, alors que j'avais organisé une grande chasse au trésor, hein, dont le gros lot était une boîte de préservatifs, un goût fraise qui était caché dans le fond de mon sac de couchage. Eh bien, figurez-vous, hein, que cette pauvre Fadela Mektoub, hein, qui du fait de son amputation congénitale, hein, des avant-bras, ne savait hélas pas nager, a tristement chuté, hein, dans les rapides, hein, un accident survenu quelques minutes à peine, hein, après que je l'ai surprise en pleine partie de bilboquet avec Nicolas Godard, un jeune homme beau comme un dieu, hein, qui bien qu'invalide à 60%, hein, savait visiblement tirer son épingle du jeu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant d'invalidité, justement, hein, j'ai découvert que sur scène, hein, du fait de vos problèmes de sudation abondante, hein, eh bien là où certains humoristes, hein, reçoivent des petites culottes, vous, c'est des paquets de Kleenex, hein, qu'on vous envoie, hein, un handicap, hein, que plus d'une femme qualifierait de rédhibitoire, hein, ce qui n'est pas mon cas, je vous rassure, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, souffrant d'une forme d'aridité assez sévère, hein, du fait de mes nombreuses années de jachère, eh bien sachez, hein, que si l'envie de venir transpirer, hein, si sur ma scène ouverte vous prenez, eh bien j'aime autant vous dire, hein, que mes nappes phréatiques et moi-même, hein, sommes absolument ravis, hein, à l'idée de nous laisser réhydrater, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien Saint-Valentin oblige, hein, j'irai à la station volontaire, hein, pour essayer de me trouver un SDF consentant. Hein, donc si comme moi, hein, la rose rouge qui est en vous, hein, n'a qu'un souhait, celui de se faire effeuiller, hein, avant d'être complètement fané, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre. À votre bon cœur, monsieur.